liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con. On les consacre que leur sacré con. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, on est dans le quatrième jour d'occupation du centre Le Bourneau. Donc, occupation de lutte sur quelle société on veut, sur quelle culture, sur la précarité avec les lois chômage, avec les lois liberticides, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le propos. On va parler avec vous. Vous allez parler entre vous de ce qui se passe avec les apatistes qui vont franchir l'océan pour venir nous rencontrer. Alors, Antonia, tu vas nous préciser ça. Et merci à Richard d'être venu pour nous apporter son témoignage. Bonjour. Donc, comme nous l'avons annoncé la dernière fois, la mission Parole des citoyens, les apatistes donc entament une tournée sur les 5 continents et viennent donc à la rencontre des différents groupes. Et maintenant, ici en France, ils ont souhaité rencontrer les Gilets jaunes. Donc, il y a un collectif national des Gilets jaunes intéressés qui s'est constitué pour organiser une rencontre nationale Gilets jaunes-apatistes. Donc, un week-end est prévu le 31 juillet au 2 août, qui permettra à la fois aussi aux Gilets jaunes de partout de se retrouver et de rencontrer les apatistes. Justement, bonjour Richard, on ne te présente plus, intermondialiste et syndicaliste et solidaire. Tu t'es intéressé très tôt donc, aux différents mouvements en Amérique latine. Et donc aujourd'hui, tu viens nous parler, nous expliquer qui sont les apatistes. D'accord. Bien, bonjour. Oui. Alors, le mouvement apatiste, en fait, il puise son origine un peu. Donc, il y a une date, hein, c'est 1983, c'est la création de l'armée apatiste de libération nationale, le CDLN, qui en fait est créée par deux composantes. Il se trouve que donc il y avait cette composante une guérilla donc traditionnelle, un peu guévariste, hein, qui a été créé au nord du Mexique et que c'est implanté donc dans la forêt de la Candona dans le Chiapas et qui ont noué des contacts avec les populations autochtones. Et effectivement la confrontation a été assez a produit des effets quand même très très intéressants puisque en fait cette guérilla avait plutôt une culture très marxiste-léniniste, très, 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 très traditionnel, et les communautés autonomes du Chiapas, Maya, avaient des traditions bien différentes. Et tout ça, ils ont réussi à constituer donc un mouvement de libération nationale. Très ce que précisément Che Guevara n'avait pas réussi à faire donc en Bolivie dans l'Oriente de la Bolivie et là donc ça a été un succès. Alors le mouvement apatiste il s'est fait connaître principalement à l'échelle internationale le 1er janvier 1994. Cette date là c'est la création c'est la mise en place de l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, donc l'ALENA, donc accord de libre-échange qui donc allait contre évidemment les intérêts des populations autochtones, mais aussi la classe ouvrière, et donc le mouvement apatiste donc a choisi cette date pour créer un électrochoc, et ils ont occupé les principales villes de l'État du Chiapas, donc le Chiapas. C'est un des 32 États du Mexique, hein, c'est dans le sud du Mexique, à la frontière du Guatemala. Et là, donc, cette occupation armée, ils ont fait face donc, à l'armée fédérale, donc, qui a fortement réprimé, mais ça a eu un écho international incroyable. Et donc, à la suite de cela, il y a eu les accords, donc, avec le gouvernement fédéral, donc ce qu'on a appelé les accords de San Andrés en 1996, qui ont abouti donc sur certaines avancées, mais qui ne sont jamais traduites
dans les actes, ou traduit en sous forme de loi, au niveau des, au niveau fédéral, ce qui fait que donc les sympathistes est resté donc opprimé. Donc il faut savoir qu'au Chiapas, c'est un État qui est contrôlé par une élite créole très raciste. Il y a beaucoup de discrimination. Voilà. Donc ça, c'était la première étape, je dirais. D'accord. Et donc, malgré les accords qu'il y a eu en 1996, donc ils sont décidés de se constituer une communauté autonome, est-ce que tu peux nous expliquer comment se sont organisés, quelle est l'organisation au sein de ces communautés? Alors, donc effectivement, donc, ce qui caractérise le mouvement sympathiste, c'est les formes d'organisation. C'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement social qui se situe dans le contre-pouvoir de manière classique, contre-pouvoir face à un pouvoir constitué. Eux, ils se réclament de l'anti-pouvoir. C'est-à-dire, y compris, donc, ils ont adopté donc, un mot d'ordre, c'est « mandar obedeciendo », commander en obéissant. C'est-à-dire, commander en obéissant, c'est-à-dire en prenant en compte, effectivement, les aspirations, les demandes des populations. Et donc, suite à donc, cette confrontation avec le pouvoir d'État, à partir de 2003, ils ont opté pour une autre stratégie. C'est une occupation territoriale, donc pour développer l'autonomie. Il faut savoir que le mouvement sympathiste, il contrôle aujourd'hui l'équivalent de la Belgique. 28 000 km² dans un État qui en compte 73 000. Voilà, donc un tiers de l'État du Chiapas est sous contrôle des sympathistes. Et là, donc, il y a 5 conseils de bon gouvernement. Ils ont appelé conseil de bon gouvernement parce que c'est en opposition au mauvais gouvernement, celui de l'État fédéral. Et donc, ils ont développé l'autonomie complète, c'est-à-dire que ce sont des territoires libérés. Ça recouvre à peu près 30 communes au Mexique. Les communes sont beaucoup plus grandes. En plus, c'est dans une zone de forêt. C'est une zone où il y a des enjeux très très importants, y compris géostratégiques, parce qu'il y a une richesse en termes de biodiversité. Il y a l'État du Chiapas souhaiterait, par exemple, développer le tourisme, souhaiterait livrer cette biodiversité aux multinationales. Il y a des enjeux très très forts. Et donc, effectivement, ce territoire libéré, c'est un enjeu très très important, et ils font face à des attaques régulièrement. Il y a quelques années, il y a des destructions de cafés qui ont été détruites. Et ils ont mis en place donc la devise Mandar Obedeciendo. Ça veut dire que ça fonctionne sous forme d'assemblée. Parfois, ils peuvent se réunir pendant une semaine, les habitants des villages, pendant une semaine pour décider des orientations et tout ça. Et concernant donc, pour la préparation donc, de cette émission, donc, tu nous avais dit qu'il y a des produits qui viennent en Europe, notamment en France, et notamment en Ardèche. Ouais. Tu peux nous expliquer, enfin, il s'agit du café, ouais. Il y a d'autres produits. Alors donc effectivement, donc, ce mouvement, donc, il n'est pas resté isolé donc, au Chiapas. J'ai dit tout à l'heure, le coup d'éclat du 1er janvier 1994 a eu un retentissement international. Il y a une solidarité internationale qui s'est mise en place à cette époque, et notamment donc depuis une vingtaine d'années, à travers donc l'achat du café donc aux coopératives sympathistes, et donc dans un certain nombre de pays européens, donc il y a du café donc qui est vendu. Alors, et donc effectivement en Ardèche, il y a une association donc dont j'ai été président pendant quelques années, qui a été créée par quelques camarades, qui s'appelle Solal, Solidarité avec l'Amérique latine 07. Et donc on importe du café. La particularité, c'est qu'on le paye 9 mois à l'avance, c'est-à-dire que tous les gens qui achètent ce café participent à une souscription. On envoie donc un tiers de l'argent aux producteurs, de façon à ce qu'ils puissent s'acheter des outils et autres. Voilà. Après, nous, on prend en charge donc, le transport, ça arrive au Havre, la torréfaction, le conditionnement, et après, ça arrive en Ardèche. Et la plus-value,
puisque c'est là qu'on voit les bénéfices des multinationales. Nous, on dégage à peu près 1 euro par paquet de café et 7 euros par paquet comment on sert à des actions de solidarité avec l'Amérique latine, mais principalement en soutien donc à des actions des conseils de bon gouvernement, les Caracoles, hein, et donc pour financer des actions sanitaires, il y a eu des projets d'adduction d'eau et autres. Et là, Solal, par exemple, va contribuer, parce qu'il y a une souscription en France pour la venue des sympathistes en Europe, là, il faut trouver 100 000 euros. Donc nous, on va financer à peu près 10 000 euros, puisqu'on a de l'argent en trésorerie, qui est le produit du café, donc évidemment, on pense que c'est une bonne cause que de soutenir et d'aider à financer la venue des sympathistes en Europe. Donc pour conclure, je pense, je rappelle qu'il y a donc cette délégation qui vient, hein, qui vient en Europe et en France, constituée de 180 zapatistes et une grande majorité des femmes qui viennent. Et donc ça va être le moment de les rencontrer, surtout parmi d'autres, donc les Gilets jaunes. Voilà. D'accord. Alors, tu précisais que Amérique latine, c'était la façon dont les colons définissent. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est le terme latin, latine, la qualification de l'Amérique latine, ça a été les colons, les Espagnols. Et c'est pour ça que un certain nombre, on aime bien par exemple parler de Indo-Afro-Latine, l'Amérique Indo-Afro-Latine, parce que les différentes composantes, la première, les populations indiennes, les Afros, ben, c'est tous des descendants d'esclaves. Quand on voyage à travers l'Amérique latine, on s'aperçoit, surtout dans le nord, hein, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de populations noires, et puis il y a les populations européennes, les latins, voilà. Donc Indo-Afro-Latine. Il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce que vous voulez développer dans ce peu de temps? Je veux faire un appel à tous les Gilets jaunes au niveau national, de pouvoir donc diffuser l'information, s'ils peuvent se rencontrer justement pour accueillir et travailler sur le fond de la question de cette rencontre, notamment, parce que ça va être pour nous, certainement pour les sympathistes, enfin, ils vont nous raconter leur but. Et aussi, ça sera l'occasion, nous aussi, Gilets jaunes, de rencontrer et de raconter, pardon, nos luttes et peut-être de mettre des stratégies en commun et pouvoir échanger, et certainement que, parce que le combat n'est pas pris, il est tout terminé. Je précise que donc Solidaire organise 2 jours donc avec la délégation sympathiste, parce que donc Solidaire, depuis sa création au début des années 90, a été très engagé dans la solidarité donc avec le peuple du Chiapas, avec les sympathistes, et notamment ont participé aux différentes rencontres qu'il y a eu donc là-bas. Et donc c'est vrai que c'est la première fois que les sympathistes viennent en Europe. Jusqu'ici, les internationaux allaient là-bas, hein, donc à l'occasion des différentes rencontres qu'il y a eu, la rencontre intergalactique en 1996, les rencontres, les escuelitas, les petites écoles où les sympathistes expliquaient comment ils fonctionnent, comment ils gèrent leur territoire, leur conseil de bon gouvernement. Précision, c'est vrai que les sympathistes ont demandé bien entendu d'échanger sur les différences des buts et tout, mais c'est aussi, je voudrais que tous ces échanges soient de façon festive. Voilà, oui. la demande. Est-ce que vous pouvez rappeler le calendrier de la venue des sympathistes? Oui, donc ça s'est fait donc du 31 juillet au 2 août, et ça va se faire à Commercy, les lieux donc de la première assemblée des assemblées des Gilets jaunes. Alors, la rencontre avec Solidaire, ce sera les 5 et 6 juillet. En fait, les premiers vont arriver en Galice. Hein, ils vont partir bientôt. Ils vont arriver en Galice. Et après, ça va arriver progressivement. Après, ils vont aussi se répartir, puisque par exemple, dans le collectif Comité européen de préparation, il y a 18 pays. Hein, donc, ils vont se rendre en Grèce, dans l'État espagnol, en Italie. Il y a plein de... Là où il y a des mouvements sociaux très actifs, mais aussi
dans le nord de l'Europe, où il y a des mouvements qui sont très engagés dans la solidarité avec le Chiapas, avec les mouvements sympathistes. Merci beaucoup pour ces paroles de citoyens, tous les deux. Voilà. Moi j'ai appris plein de choses. Merci. Je vous remercie. Merci. Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con. On les consacre que leur sacré con.